Bonjour les rebonds, nous nous retrouvons pour notre vidéo. Cette vidéo m'a réveillé un peu sur cette affaire de division de le couple ces temps-ci. Ah, des maris qui veulent laisser leur femme pour une autre, ou des femmes qui veulent laisser leur mari pour un autre. Face à ça, une femme a décidé de réagir. Écoutons-la. Si Dieu t'a béni avec un mari, avec un copain qui t'aime, qui prend soin de toi, malgré qu'il n'a pas assez de moyens, faut rester avec lui. Faut pas aller ailleurs. Peut-être où tu vas là, mais c'est plus grave même que ce que tu laisses là, ma chérie. Attrape ton mari. Allez là. C'est pas bon. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Écoutons ça encore. Si Dieu t'a béni avec un mari, avec un copain qui t'aime, qui prend soin de toi, malgré qu'il n'a pas assez de moyens, faut rester avec lui. Faut pas aller ailleurs. Peut-être où tu vas là, mais c'est plus grave même que ce que tu laisses là, ma chérie. Attrape ton mari. Allez là. C'est pas bon. Wow. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Elle dit qu'à l'aile, ce n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai vu une femme qui couchait avec un autre homme. Et cette femme-là, elle a osé faire venir cet homme dans la maison de son mari en présentant cet homme-là à son mari comme étant son cousin, alors que les deux couchent ensemble. Maintenant, voici que l'homme de la maison va accepter le monsieur et pendant que lui sera en train de dormir la nuit. Cette femme, elle va sortir et aller coucher avec cet homme. Tout le temps, c'était ce qu'elle faisait. Tout le temps, c'était ce qu'elle faisait. On lui disait, mais sa camarade lui disait, mais ah, comment fais-tu, peux-tu faire cela sur le même toit où se trouve ton mari? Et quand son mari n'est pas là, elle envoie ses soi-disant cousins sur le lit conjugal et elle couche avec lui. Les deux couchent ensemble. Ah! Ah! C'est devenu bizarre. C'est devenu très bizarre. Comme on dit toujours, rien n'est caché sous le soleil. Et tout ce que vous faites en secret là, ça finira tout à par être dévoilé. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que un jour, elle a découvert que l'homme avec qui elle couche à la maison de son mari entretient une liaison avec une autre fille. Et lui, c'est un gigolo. Il ne fait que coucher avec la fille contre de l'argent. Vous voyez, il promet des choses qui n'ont aucun sens aux filles. Et voici comment ça se termine. C'est vraiment un truc de ouf, hein? Quand elle a découvert ça, elle a crié à la trahison. Elle a décidé de se séparer de cet homme. Mais cet homme a refusé. Cet homme lui a dit, écoute, nous sommes dans la même maison ici. Si tu ne viens pas me voir chaque minute comme tu as l'habitude de faire, je vais tout dire à ton mari. Et il saura que toi et moi, nous couchons ensemble. La femme a tapé sa tête. Elle a tapé sa tête. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Et là, elle s'est retrouvée tout de suite dans les problèmes, dans les angoisses, dans les soucis. Comment allait-elle gérer ça? Comment? C'était devenu bizarre. En tout cas, ce que je peux vous dire au final, c'est que elle l'a croisé, ce jeune homme, avec un autre monsieur en train de se bagarrer.
Et elle, comme cela se passait dans la maison de son mari, elle voulait venir se séparer. Et le truc, c'est que les deux se bagarraient parce que ce monsieur-là a vu et il a découvert son secret et il a décidé de venir tout révéler au mari de la femme. Tellement le monsieur était étonné. Il est parti, il est parti. Il l'a laissé comme ça, il est parti. Il était étonné. Et c'est là la bagarre a commencé entre ces deux derniers-là. Celui qui a dévoilé ce secret-là, c'était l'un des meilleurs amis à son mari, c'est-à-dire l'homme de la femme. L'homme de la femme. Et pendant que pendant que le soi-disant cousin et le meilleur ami à l'homme de la maison se bagarraient, la femme elle venait se séparer. Il y a un mauvais coup de poing qui est sorti de là. Ça l'a touchée. Elle est tombée. Et elle est morte. Et elle est morte. Je dis, hé Seigneur, hé Seigneur, cette affaire de tromperie, cette affaire d'adultère, cette affaire de regarder dehors pendant qu'on est marié ou bien on est avec un homme, ce genre de choses finissent toujours mal. Ce genre de choses finissent toujours mal. Et cette femme qui a parlé ici, elle nous a clairement dit, tu ne sais pas. Si l'homme avec qui, l'homme chez qui tu veux aller là, tu ne sais pas si lui il est pire que ton mari, donc attrape ton mari. Si tu constates qu'il t'aime, il fait tout pour toi. Ah! Vous voyez ça? Faut même écouter ça encore. Si Dieu t'a béni avec un mari, avec un copain qui t'aime, qui prend soin de toi, malgré qu'il n'a pas assez de moyens, faut rester avec lui. Faut pas aller ailleurs. Peut-être où tu vas là, mais c'est plus grave même que ce que tu laisses là, ma chérie. Attrape ton mari. Allez là. C'est pas bon. Allez là, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est dangereux. Allez là, les temps sont devenus très dangereux, très menaçants. Donc, si vous avez trouvé un homme qui vous aime, même si vous ne l'aimez pas suffisamment, il est préférable d'avoir la paix que d'avoir la guerre. Et oui, tu as quitté ton mari à cause de peut-être un problème pour aller trouver un autre. Mais qu'est-ce qui te garantit que tu ne vas pas rencontrer un problème plus grave là-bas dehors? En tout cas, c'est toujours un danger pour un homme ou une femme de regarder dehors quand il a déjà quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est comme au Nigeria, il y a un homme qui devait bientôt fêter ses 50 ans. Et ce DG d'une entreprise a décidé de passer du bon temps avec l'une de ses petites, vous voyez, l'une de ses petites go. Et ce jour-là, les deux sont allés dans une boîte de nuit, puis dans une chambre d'hôtel. Beaucoup de choses se sont passées là-bas, mais au final, on l'a retrouvé mort. Il a été poignardé dans tous les sens. Et les gens ont fusionné les vidéos de caméras de surveillance et ont découvert que c'est la fille avec qui il était là, qui était la dernière personne qu'il a vue avant sa mort. Et puis, elle a volé son argent, c'est un document, et elle est partie. Mais la police tout de suite l'a rattrapée. Hein. Pendant ce temps-là, le monsieur, sa femme, elle était à la maison, tout de suite s'inquiétait. Elle se disait, mais où est passé mon mari? Où est-il? Ça fait plusieurs jours, on le cherche, on ne le voit pas. À la surprise générale, elle apprend sur les réseaux sociaux qu'ils ont retrouvé son mari, mais le monsieur est mort à cause de femmes dehors. En tout cas, moi, je veux aussi vous te dire, regardez dehors, elle est là, c'est très risqué. C'est vraiment très humain. Trop risqué.
Dehors. Ha! En tout cas, moi-même qui suis célibataire, je n'ose même pas m'arrêter dehors et siffler une fille. Non, je n'arrête même pas une fille. Parce que quand je vois les filles de dehors et que j'ouvre mes yeux spirituels pour voir si de la manière elles sont belles dehors, elles sont belles à l'intérieur, je vois Satan à la place de leur cœur. Je dis, mais quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au pays? Que se passe-t-il? Tout de suite, je remets mon casquette. Je remets mon casque. Et je change de chemin. Parce que Théo. Ha. En tout cas, moi, ce que j'aimerais vous dire, restez avec vos femmes, restez avec vos maris. Vivez votre vie tranquille. Les sensations fortes que vous voulez ressentir derrière là, ça risque de vous conduire à des problèmes si vous ne faites pas attention. Parce que, déjà, le fait que vous soyez en paix avec votre mari, ou même le fait que vous soyez marié là, ça énerve beaucoup de personnes. Mais vous n'êtes pas au courant. Et les personnes là, ce sont des sorcières qui vous observent à distance, au travers des caméras de surveillance, la sorcellerie. Ces gens-là, j'attends juste le seul instant où vous allez mettre votre tête dehors pour vous faire du mal. C'est exactement ce qu'ils attendent. Mes frères et sœurs, restez vraiment concentrés. Essayez de régler vos problèmes entre vous-même. Le divorce n'est pas toujours la solution à tous les problèmes. Avant de s'unir avec quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Cette histoire de dire que l'amour, je l'aime. Ah, dans le mariage, l'amour seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Si vous regardez juste l'amour de un jour, de 2 jours, de 3 jours, de 1 semaine, vous risquez de vous retrouver dans les problèmes. Cherchez plus que ça. Regardez dans le cœur et priez. Demandez à Dieu, est-ce que la personne avec qui je vais être là, est-ce que cette personne ne va pas être la source de ma chute demain avant de vous lancer? J'ai quelques conseils pour vous. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. C'est parti.